Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playthrough de Zelda Oracle of Season. Donc dans l'épisode précédent, on était allé dans un autre monde pour récupérer le sceptre des saisons qui nous permet de contrôler pour l'instant seulement l'hiver, mais par la suite nous permettra de contrôler les quatre saisons. Ensuite, on est allé dans le second temple et on avait vaincu le boss de milieu de niveau, donc le mini-boss, et on continue le donjon. Les hop et grenade. Hop. Comment on les vainc ceux-là? Hop. Ah, deux d'un coup. Plus tard, on obtiendra un objet qui utilisé correctement, enfin autrement que par sa fonction première, peut nous permettre de tuer tous les lapins présents dans la salle en un coup. Faut savoir que ces lapins, on peut pas les tuer à l'épée. Hop, schlack. Est-ce que tu vas me dire quelque chose d'intelligent? Frappe quand la bouche s'ouvre. La force donne la victoire. Oui, ça c'est un conseil pour le boss. Schlack. Non. Aïe. Ah! J'ai glissé, chef. Ah, mais arrête de glisser, mon sang! Dès que je suis un peu trop au bord, il se dit, oh, il glisse. Bon sang! J'ai toutes les bombes. Ouais. Bon, bah, on y va, on est déjà au boss. Ah, mince. H. Ah oui, je vais devoir faire une boucle. Alors les boomerangs, super efficaces contre ces monstres-là, et en plus ils lâchent des faits quand ils sont... Hop! Quand ils sont touchés. Hop. Ouais, la clé du boss. La clé du boss. Hop. Voyons voir la map. Ouais, à part le boss, j'ai tout vu. Et voilà. Hop. Glisse pas cette fois. Voilà. On part quand même pour un cœur. Voilà. Là, hop, ça va être grenade. Ah, c'est ça, c'est... Hop, et... Schlack! Ça doit être comme ça qu'il faut le battre. Charge. Yeah. Allez, c'est pas fini. Oula, allez.
équipe. Et voilà, game over pour le boss. Mon épée, hop, schlac. Les graines poussent vite quand les saisons changent. Oui. Merci, Link. J'ai aussi reçu un peu du don du temps. J'ai rêvé des marais bleues à l'ouest. Il y a quelque chose là-bas. Je ne vois plus rien. Là, c'était un mélange faux bâillement, vrai bâillement. Ah, revoilà. Miss Balai Volant. Tac. Pour l'instant, il donne rien d'intéressant. Et voilà, hop. Faut savoir que pour l'instant, il lâche pas des choses très intéressantes, mais plus tard, elle nous en donnera des beaucoup plus intéressante. Je pense notamment à la potion de régénération et à la, comment dire, la des anneaux. Des fois, elle donne des anneaux. Aïe. C'est pas réglé, c'est pas assez. Donne-moi de la santé. Hop là. Donc voyons voir. Hop. Hiver. Voilà, comme ça. L'eau sera gelée et je pourrai retourner au village central dont j'ai oublié le nom. Alors, est-ce qu'il a un peu grandi? Oui, il a bien grandi. Il y a même une entrée maintenant. Donc, voilà. C'est Faror, celle-là. C'est elle qui a été larguée pendant la création du troisième jeu. Le jeu a été abandonné. Donc, maintenant, elle est cantonnée à servir d'hôtesse d'accueil dans l'arbre Bojo et dans l'arbre... Je sais plus comment il s'appelle l'arbre Mojo dans Oracle of Age. Je me souviens que c'est un arbre femelle avec une fleur dans les cheveux, mais c'est tout. Et qu'elle a le béguin pour Link. J'ai dit des conneries, mon anneau repère même les terres fertiles quand je les ai repérées. Ah bah oui, je peux aller par là maintenant que j'ai le... Hop, bracelet. Yaha ! Aïe, les ennemis verts là, il faut pas les toucher. Ah, nouvelle graine. Elle attire les monstres. Ouvrez, pour les utiliser. Les monstres verts, si on les combat à l'épée, ils vont nous taver. Bah, c'est grosso modo ce qui se passe. Je suis Lino, champion. Tu
quelque chose. Ça, c'était le boxeur dans Link to the Past. Link's Awakening, excusez-moi. Ou quelque chose. Alors, bien sûr, le ring. Veux-tu parier des rubis? Ok. Piu piu, voilà les règles. Écoute, on va se coller des baves jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pleure et qui sorte du ring. L'objet interdit. Si tu enfreins les règles, le prochain match, c'est 20 rubis. Pas d'anneau. Que des baffes. Puis j'ai... Ouais. Hop. Il a failli m'envoyer dans les cordes. Yeah, je l'ai eu. Ah, j'ai perdu. C'est des éclairs. Tu es le nouveau champion. Prends ça. Yeah, des gants de boxe. Gants de Ricky. En fait, Ricky, vous allez voir... C'est un gars qu'on voit plus loin. Alors, hop, déjà, je récupère mes objets. Voilà. L'anneau. Faut oublier de le rééquiper. Hop, ça me fasse grand chose, mais bon. Ah, ok, cul-de-sac. Hop. Je vais vous montrer. Voilà, on est à vie. Aïe, aïe. Oula, il me reste plus beaucoup de vie. Je vais faire une sauvegarde. Tac, tac. Sauvegarder, continuer. C'était un outil, c'est super loin. Trouver un moyen de locomotion. Et si je me gourre pas par là, c'est... Wouhou! Par là, c'est le... Comment dire? C'est par là qu'on va pour trouver le repère du méchant. Je suis Ricky. Le marais boueux est derrière chez moi. Va au sud, puis tourne et remonte. Et tu y seras. Je viens avec toi, mais je ne peux rien faire sans mes gants. Un gars nommé Bleno me les a... dans un match. Ce sont mes gants. Tu me les as ramenés. Merci. J'ai juste fait ça comme ça. C'est un joli mot. Moi, c'est Ricky. Ravi de faire ta connaissance. Voilà, Link. Prends cette flûte si tu as besoin de moi. Joue de la flûte et je te retrouverai. Donc voilà, on obtient une flûte. Alors la flûte, elle permettra d'invoquer 3 animaux. Mais seulement, je ne sais pas comment c'est désigné dans le jeu. Par exemple, une fois j'ai fait une partie, j'ai eu la flûte de Ricky. Une autre fois, j'ai eu la flûte de l'ours volant, etc. Devra à votre aide si vous en jouez. D'abord, je vais te mener au marais bleu. Entre dans ma poche. Il faudra pour les points, combien? Tiens, pour envoyer les tornades de poser, bien, par-dessus les trous. Si tu apprends la trou, je serai par-dessus. C'est très facile pour moi. Essaye, tu verras. Ouh. Hop. Super. Par contre, je préfère pas prendre de risque. Je sais pas si ça me tave quand je tape les ennemis comme ça. Il y a aucun moyen de le savoir. Bon, ça me tave pas. Hop, et il me semble qu'ici. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Merci de payer pour réparer... Ah, ben, c'est un malus. Hop. Oh, on est au printemps. De jolies fleurs.
Il fait chaud, ma piscine ne suffit pas à me rafraîchir. Il me faut un truc frais pour me donner des frissons dans le dos. Il me semble que c'est une poupée vaudou que je vais lui donner à cette bonne femme. Il me fallait c'est comme ça, c'est un saut pour moi. Approche et tu verras comme je fais. Encore une graine. Graine Pégase. Permettre de courir plus vite. Hop. Il y a 5 graines différentes en tout. Mais le, je me souviens plus du... comment dire, je me souviens plus quelle est la dernière graine. En tout cas, je me souviens que dans Oracle of Edge, j'en mets beaucoup plus de temps à toutes les récupérer. Tu veux aller dans le marais? Bah, j'ai perdu la clé des portes de l'écluse. Ok. C'est pas ça. C'est là qu'elle était, ça devrait ouvrir les portes. La serrure pour la clé se trouve dans la flaque d'or. Ok. Ah, donc la première utilisation des graines Pégase. Hop là. Hop. Voyons voir comme ça. Hop. Schlack. Hop là. Hop là. Hop là. Là, j'ai failli me la prendre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Salut, dans les coups de ma... au sud du... Il y a un vortex. Ça va être connecté à un autre monde. Les chances de la faire. Un chèque. Bon, c'est un peu cher, mais j'en ai pas, donc... Hop. Hop. Ouais, allez, je plante. Hop, bon ça, je me suis fait avoir. Je suis mal. Question santé. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma santé. Wow. Ah, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Comme je l'avais prédit, le temps est venu. Nous avons besoin d'un nouveau pouvoir des saisons, celui de l'été en l'occurrence. Ça signifie que tu dois trouver un passage vers Subrosia et aller au temple des saisons. Ok. Ah oui, je sais ce que je fais. Hop. Ça en gros ça veut dire que tu peux pas l'invoquer ici. Mais en fait vu qu'il est pas loin je pense. Ouais. Un nouveau de la vie. Hop. Boing. J'aurais pas dû vouloir taper ce truc. Je sais qu'on peut l'avoir avec Ricky.
Hop. Ça m'énerve quand il fait son... Tutou, tutou. Hop là. Hop. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Et voilà, direction Subrosia. Faut savoir qu'il peut pas nous suivre, le Ricky. Découvrir les portes du temple. Oh mais oui, je suis bête, maintenant j'ai de la pelle. Oh, quel endouille, j'aurais pu récupérer de la vie depuis bien longtemps. Oh, du minerai. Hop, la monnaie. Du... Hop là. La monnaie de Subrosia. J'ai pas récupéré de vie, c'est pas grave. Donc c'est elle, Rosa. Je suis Rosa. Mon ruban favori s'est perdu dans la mer. J'aimerais bien aller explorer le temple, mais je ne peux pas y aller comme ça. Ok. Donc on va devoir lui trouver un ruban de remplacement. Et je vais pouvoir sortir avec elle. Donc en fait, là, j'ai récupéré un peu de minerai. Parce qu'il me semble qu'il y a un magasin qui vend le ruban en question. Hop là. Je vais essayer d'aller jusqu'à 50 minerais. Plus qu'un. Ça m'étonne que j'ai pas encore eu de cœur. Peut-être qu'on peut en avoir seulement dans le monde réel. Enfin, dans le monde réel, vous comprenez, Holodrone, non ? Voici le magasin. Alors oui, le ruban, tu me vaux combien? Ah, mais il me faut un minerai spécial. Oui! Moi j'ai obtenu un quart de cœur. Est-ce que c'est du minerai contre un ramusin? Ça te tente? Non. Je le prends parce qu'il me semble qu'ensuite ça permet de débloquer l'anneau. Ah non, l'anneau c'était avec la pierre machin. Donc le minerai, toi, comment je peux l'obtenir? Là j'avoue que je m'en souviens plus. Est-ce que je dois danser au truc pour le... pour l'avoir? Ah non, je crois savoir. Je crois savoir. Je crois qu'il faut que je creuse jusqu'à ce que je trouve un minerai étoile. Je crois que c'est ça, mais j'en suis plus du tout sûr. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Schlack! Je vais chercher un cadeau, hop!
Pourquoi je serais pas encore d'argent dans Fibrovia, ça, c'est clair. Je suis sûr qu'il est quelque part ce minerai étoile. J'aimerais bien sortir les revoirs de soi, mais comment l'intéresser? Ah, Envelin! Voilà! Enfin! Hop, le minerai étoile. Oui! Voilà, et le l'anneau c'est pour combien? Ouais! Voilà. J'ai donné le ruban à Rosa. Quel joli ruban, il est pour moi? Oui. Super mignon, merci. Je suis gentil, je vais te donner un rendez-vous. Allons. Allons dans ce temple. Ok, donc je lui ai donné un ruban et elle me propose un rendez-vous galant. Ah oui, d'accord, si je me souviens bien, elle a un passe-partout, elle. Temple. Alors ça c'est le printemps. L'été c'est lequel? C'est celui-là. Wow. Il y aurait besoin de faire un peu le ménage là-dedans. Hein. Voici l'esprit de l'été. Te voilà, adorable héros. Je suis l'esprit de l'été. En été, les lianes poussent et les lacs sont asséchés. Les légendes des rues disent qu'un héros avec une triforce sur la main viendra sauver le monde. Peut-être es-tu ce héros. Je vais te donner le pouvoir de l'esprit de l'été. C'était trop demandé qu'ils mettent le mot triforce en entier plutôt qu'un simple triangle. Était béni par le soleil. Monter sur une souche pour invoquer l'été. Ok. Bon, ça c'est fait. Hop. Hop. Donc, allons-nous au troisième donjon. Je me disais qu'est-ce qui va lentement, mais hop, ah ça va tout de suite mieux avec ça. Voilà. Et voilà, je la laisse en plan.
Falcon Punch. Hop là. Hop là. Hop. Niveau 3, entre mythe poison. Ça annonce la couleur, ça. Bon, chers amis, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode de Playthrough de Zelda Oracle of Seasons. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces et à commenter. Et à la prochaine pour l'épisode 4. A plus !